Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir un colis, des nouveautés de la marque Cupshe. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site de vente en ligne américain où on retrouve vraiment des vêtements très variés avec tous les styles, tous les looks, toutes les tailles. Et donc j'ai eu la chance d'être contactée par ce site et de pouvoir collaborer avec eux pour cette vidéo. Donc je vais vous présenter les pièces que j'ai choisies, vous donner mon avis, peut-être vous incruster également quelques pièces essayées. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un code promo. Si vous avez l'habitude de passer par ce site, je vais vous donner, j'ai deux codes promo différents en fonction du montant d'achat. Donc si jamais vous avez un panier de plus de 50 euros, vous aurez 15% de réduction avec le code Beauty15. Et si vous dépassez 80 euros de commande sur leur site, c'est le code France20 pour avoir 20% de réduction. Voilà, donc j'ai commandé un petit échantillonnage des tenues. Vous allez voir, c'est assez varié. Il y a également beaucoup de maillots de bain sur ce site qui sont plutôt très jolis. On va voir aussi en termes de taille ce que ça donne. Moi, c'est Jenny. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. On parle principalement de beauté ici, mais pas que, comme aujourd'hui. Et puis, on va démarrer tout de suite. Alors, déjà, c'est arrivé via DHL, très rapidement, dans un colis comme ceci. Alors, ma première bonne surprise, ça a été l'organisation du colis. Comment sont présentés, pardon pour le bruit, les articles. Donc, chaque article est dans une petite pochette comme ça, plastifiée, je pense, que vous allez pouvoir réutiliser pour ranger vos affaires. Donc, moi, j'ai fait une sélection. Je pense qu'on a une petite dizaines de pièces, 7 pièces à voir aujourd'hui. Je vous les déballe et puis je vous mettrai en vidéo les incrustations. Alors pas pour tout parce qu'il y a notamment deux maillots de bain, donc je vais pas me mettre en maillot de bain sur YouTube, en tout cas c'est pas prévu, mais je vous donnerai quand même mon avis par rapport aux tailles. Il y a un point important, moi je fais plutôt une taille 40 et en général je prends du M. Là c'est ce qui est conseillé sur la plupart des vêtements, sauf pour les maillots de bain où il conseillait de prendre du S pour du 40. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un doute sur la taille des maillots de bain. Je vais voir s'il n'aurait pas fallu quand même prendre du M qui était plutôt associé à un 42. On va voir tout ça. Alors, on va commencer par la veste. J'ai pris une espèce de veste sur chemise. Je trouve ça assez sympa en ce moment, ce genre de coloris. Elle est emballée dans une petite pochette plastique comme ça. Vous avez le nom de la marque. Et donc là, je l'ai pris en M. Donc, c'est à l'air d'être une très belle qualité. Et j'ai pris les couleurs, ah oui parce qu'elle existe en deux couleurs, c'est la couleur orange brûlé. Et il y avait un, vous voyez une capuche grise un peu sweet. Donc on va voir ce que ça donne, c'est très sympa ce genre de surchemise. Là il y a les boutons, elle est hyper douce. Il y a une petite poche à gauche devant, donc ouais c'est très sportswear, hein. C'est cosy, c'est cocooning, c'est un petit peu ce qu'on a envie de mettre par-dessus quand il fait froid, donc ça j'aime beaucoup, j'en ai déjà une mais qui est un petit peu différente. Celle-ci est beaucoup plus agréable en tout cas en termes de qualité, c'est très très joli. Le prix normalement elle était à 39 euros et je pense qu'en ce moment elle doit être en promotion à 30 euros. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Elle est assez longue, je pense qu'au niveau de la taille c'est parfait, c'est le genre d'article qui se porte pas, pas trop long. Je vous montre ça porté juste après. Après, il y a une petite blouse blanche. Alors, je ne me rappelais pas que j'avais pris ça, ou alors ça devait être dans mes choix alternatifs. Elle est très, très jolie aussi. Donc, tout est étiqueté avec la marque comme ceci. C'était la blouse, alors pour ne pas vous dire de bêtises, Poète blanche en taille M. Donc, elle est jolie, alors légèrement transparente. Vous avez des manches comme ça avec des petites lignes brodées. Les manches en bas sont resserrées. Le col un petit peu froufrouté, c'est très joli. Avec une imitation de petits boutons devant, c'est très joli. Voilà, en termes de matière, alors j'ai pas regardé toutes les matières. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça a l'air d'être du polyester, tout à fait. Mais ça a l'air d'être un polyester qui n'est pas trop électrique, pas trop d'électricité statique. Alors, en termes de maillot de bain, j'en ai pris deux.
j'ai pris celui qui est le bikini floral réversible. Donc là, il est dans deux pochettes différentes. Et c'est là où j'ai pris du S. Alors, le bikini est à 34,90€. Je vous donne les tarifs sans les codes promo. Évidemment, si vous utilisez les codes promo, vous allez avoir un tarif plus intéressant. La blouse était à 20,90€. Je trouve que c'est pas excessif pour une jolie blouse comme ça que vous allez pouvoir mettre très facilement, une blouse blanche, et ça habille tout de suite. Donc, sur le bikini floral. Alors, celui-ci, je pense qu'en termes de taille, ça devrait aller. Vous voyez ici, donc il est réversible, côté fleuri. Et si vous préférez le mettre en côté uni, c'est possible. Voilà, donc moi je l'aime bien côté fleuri. Au niveau, effectivement, au niveau de la taille, ça a l'air plutôt pas mal. C'est pas trop échancré, moi j'aime pas quand c'est trop échancré derrière. Et la qualité, vraiment, la matière est très jolie, très élastane. Donc ça, j'aime bien. Et le haut qui allait avec ce bikini était assez original. Alors j'espère que ça va. Il y a un espèce de froncement ou de croisé devant, vous le voyez. Et derrière, il y a une petite lanière comme ça dans le dos. Donc il est très joli. La matière est vraiment à l'air résistante. Il y a des petites baleines latérales pour que ça tienne en place. Vous pouvez enlever. Alors ça, c'est bien pensé, je trouve. Ils vous ont mis les étiquettes, mais vous donnez un coup de ciseau. Il n'y a plus d'étiquette. Vous n'êtes pas embêté avec un bout d'étiquette qui vous gratterait. Donc ça, c'est chouette. Écoutez, je pense que ça doit être très joli. Et je vous marquerai tout ça. Donc ça, c'est le premier maillot de bain. Ensuite, ils font beaucoup aussi sur ce site. Déjà, il y a énormément de maillots de bain. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les tailles, pour toutes les morphologies. Il y a vraiment de tous les styles. Hein. C'est très varié. Et donc, il y a aussi beaucoup de dessus de maillots de bain, qu'ils appellent des dress-up, je crois. C'est des petites robes, voilà, un peu légères, un peu transparentes, qu'on met quand on va à la plage, à la piscine. Et j'en ai pris une comme ça. Qui, voilà, ça s'appelle des cover-up. Et j'en ai pris une longueur midi à rayures. Donc, qu'on peut mettre par-dessus un maillot de bain. Elle est vraiment superbe, en tout cas le tissu est très joli. J'avais choisi ce modèle là, je crois qu'elle existe en plusieurs. Et là j'ai donc pris du 40. Donc vous voyez, c'est une grande robe comme ça avec un col en V. La matière effectivement est fine. C'est resserré en dessous de poitrine avec un élastique. Et c'est ouvert au niveau des jambes sur les côtés. Donc voilà, c'est une robe, on va dire une robe de plage, hein. Mais qui a son petit côté chic, donc ça j'aimais bien. Celle-ci était à 28€ en ce moment au lieu des 32, donc je trouve que c'est plutôt correct pour l'instant vu de la qualité. Ah oui, j'ai pris aussi un pyjama. C'est ça qui est dans le fond du colis, qui est un petit peu doudou. C'est un pyjama côtelé gris. Alors ça avait l'air tellement cocooning ce truc. Je me suis dit que ça devrait être chouette. Et donc là, vous avez l'ensemble. Hein, parce que c'était l'ensemble pour 26€ au lieu des 29. C'est les pyjamas doudou. Il n'est pas aussi épais. Voilà, le tissu est quand même un petit peu fin. Mais vous voyez, c'est gris, côtelé comme ça. Avec taille élastique et ceinture. Bon, la matière est agréable, voilà. Moi, c'est surtout que ce soit doux, qu'on se sente vraiment confortable. Ça peut même vous faire une petite tenue pour traîner à la maison. C'est toujours bien. Donc ça, c'est le bas. Et avec, vous avez le sweat gris, toujours côtelé comme ça, carrément avec la capuche, les petits liens. Donc on est vraiment en mode doudou, hiver, voilà, bien au chaud. Les matières sont très agréables. Donc là, je suis contente parce que j'en ai pas de petits pyjamas comme ceci. Et donc, il me reste un bikini et une robe à vous présenter. J'ai pris une robe mini trapèze noire avec un col dentelle, toujours en taille 40. Oh, bah elle est jolie aussi, non? Ah, c'est plus joli, je m'avais vu le col blanc et il est un petit peu doré, vous voyez, c'est un col V comme ça, brodé. J'en ai pas tant que ça, des robes noires. Bon, la matière est un petit peu fine, alors là j'ai l'éclairage en plus extérieur parce que je n'ai pas réussi à filmer de plein jour. Donc on filme, il fait nuit, je suis désolée, j'aime bien filmer moi avec la lumière du jour. Là c'est pas le cas, mais vous voyez bien les couleurs. Je pense que c'est peut-être un petit peu fin, le seul truc, voilà, selon ce que vous mettez en dessous, il faudrait pas que ce soit transparent. Mais sinon la qualité est très chouette au niveau de cette robe. «
Je termine la présentation des articles avec le dernier maillot de bain, qui est donc un bikini taille haute torsadé bleu clair. Donc il était à 24,90€. Bon, je sais que c'est pas tout à fait la période des plages, mais je me suis dit que j'avais vraiment envie de tester leur maillot de bain. Et j'ai bien fait parce que la qualité est au rendez-vous. Le seul petit point sur ce maillot de bain, j'ai un doute au niveau de la taille. Alors comment vous dire, c'est ce qu'ils appellent taille haute. Donc effectivement ça monte bien haut, mais par contre je pense qu'au niveau de l'échancrure sur les jambes, ça va être beaucoup trop échancré pour moi, vous voyez. On verra, est-ce que c'est que je me suis trompée de taille. Après ils ont beaucoup de coupes, ils ont des coupes, ce qu'ils appellent justement les coupes hipster, qui couvrent vraiment bien, ils ont des coupes un peu plus shorty, ils ont de tous les coupes. Donc derrière c'est quand même plutôt couvrant, on verra. Je suis pas sûre voilà, que porter ça maille hyper bien, mais bon, faut tester. Et le haut, en fait, j'aimais beaucoup les couleurs, hein, le bleu turquoise, le bleu, le vert, comme ça, c'était très joli. Après, j'ai peur que ce soit un petit peu serré pour moi en haut, vous voyez, ça c'est le haut de la brassière. Il y a un effet torsadé devant avec différentes couleurs, du bleu clair, du vert. Et vous avez ici comme des petites perles blanches sur les bretelles. Donc au niveau des teintes, ça me plaît beaucoup. Après, je sais pas, comme celui-là, derrière, c'est comme un bandeau. Il n'y a pas de réglage possible, l'autre il y a un lacet, donc si c'est trop serré ça va pas être le grand confort. Mais en gros voilà le modèle. Je vous mets bien sûr les liens en barre d'infos de tout ça. Allez, je vais faire quelques essayages pour vous donner un peu plus de, ben, un peu plus de contenu et d'avis sur cette marque. En tout cas je vous donnerai mon avis honnête et transparent. J'ai reçu les articles gratuitement, donc je les remercie, je remercie la marque de m'avoir permis de les découvrir, hein, parce que c'est la première fois du coup que je reçois un colis de cette marque et je suis plutôt contente d'avoir découvert leur site. Il y a donc les deux codes promo que je vous répète au cas où vous faites une commande. Beauty15 vous donnera 15% des 50€ d'achat et France20 vous donnera 20% des 80€ d'achat. Vous avez aussi l'appli Cupshe que vous pouvez installer sur votre téléphone. Alors on se retrouve pour le bilan de ces premiers essayages de la marque Cupshe. Je dois avouer que je suis agréablement surprise. Globalement, tout me va. Je vous ai même filmé les maillots de bain. Alors, je sais pas si je vous les mettrai, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais vous donner mon avis sur chacun des produits vite fait. Donc, le pyjama, comme ça, très sympa, très, très agréable à porter. C'est une matière quand même relativement fine. C'est pas un pyjama hyper chaud, mais on est très bien dedans. Pantalon un petit peu long, mais moi, je fais 1m60, donc c'est normal. Pas déçu du pyjama. Pareil, la surchemise à carreaux comme ça, elle est vraiment très très belle. Ça passe bien, elle est hyper agréable, j'aime beaucoup. Elle est légère, on la sent pas trop. Ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir porter facilement. J'ai même un petit coup de cœur sur la robe noire. Elle est splendide, elle est superbe. Avec ce col comme ça, j'en ai pas de noir. Donc j'aime beaucoup, ça peut faire robe de vacances, mais pas que. Très agréable, pareil, la matière est élastane. Donc ça, et ça coupe bien, ça taille bien, ça tombe bien. Ce qui n'est pas toujours le cas. La deuxième robe aussi, donc là c'est vraiment la cover-up, donc c'est quand même relativement transparent. Si c'est pour aller à la plage, voilà, moi ça me dérange pas. Je trouve que la qualité est bien, le coton, ça doit être du coton là. Je vais regarder rapidement. Non, c'est du rayon viscose. Le rendu est tout à fait joli, sympathique. Elle est assez longue, elle tombe vraiment juste au mi-mollet. La chemise blanche aussi est impeccablement coupée, vous l'avez vu. Elle tombe bien, il n'y a pas de faux plis, il n'y a pas de défaut sur les articles non plus. La qualité est là, ça fait vraiment son petit effet. Donc je suis plutôt contente finalement d'avoir reçu cette jolie chemise. Le col est très joli, les manches aussi, il y a les petits détails boutons, ça fait vraiment le job et ça fait la blague, hein. Ça pourrait passer pour une chemise de plus grande marque, donc là je suis très contente. Alors on termine par les maillots de bain, c'est pas trop petit, je pensais que ça allait être vraiment trop juste, par contre je suis un petit peu quand même, je suis limite, voilà. Le bleu finalement, le bleu turquoise comme ça, au niveau de la taille j'ai envie de dire, je pense que c'est la bonne taille. Si j'avais pris le M, peut-être que ça aurait été un petit peu trop grand. Donc voilà, je pense que je suis peut-être un petit peu chez eux entre deux tailles, entre le S et le M. Mais sinon finalement la coupe ça va, ça cache bien tout ce que j'ai envie de cacher, même au niveau de la poitrine c'est plutôt bien maintenu. La matière est agréable, donc je suis très contente pour les maillots de bain, et comme je vois qu'ils ont beaucoup de modèles, il y a de fortes chances que je me recommande des maillots de bain, parce que j'avais pas refait du tout de stock de maillots de bain cette année. Ça faisait quelques années que je les avais. Je me dis que ça serait sympa d'en avoir 2-3 qui changent un petit peu pour l'année prochaine. Voilà. Par contre, ce modèle-ci, alors,
ça passe, mais là je me sens serrée. Je me sens un petit peu plus ajustée dans celui-là, donc là en l'occurrence il aurait certainement fallu prendre un M. Donc voilà, si vous faites un 40, un bon 40, j'hésite à vous recommander le S ou le M, à la limite, parce que je sais qu'il y a également toutes les mensurations, vous pouvez prendre vos mensurations, mais si vous faites un 40-42, prenez quand même du M, j'aurais tendance à dire, au moins vous êtes sûr que ça ira, hein. Voilà, et si vous faites un 38-40, plutôt du S, je dirais comme ça, moi j'ai un petit peu pris là dernièrement, donc je suis ravie d'avoir pu découvrir les articles, le site, la marque, il y a quand même beaucoup de choses, c'est très varié, donc il suffit de chercher, il y a quand même aussi relativement des tarifs attractifs, la qualité là, c'était surtout ça qui était important pour moi, c'est d'avoir des articles de qualité à un prix raisonnable, et je trouve que c'est le cas, donc la mission est remplie. En plus j'ai les deux codes promo, donc si jamais vous avez besoin de renouveler certaines pièces, des maillots de bain ou autres, vous avez vu là, la surchemise ou même un pyjama, vous allez voir s'il y a des articles qui vous plaisent et vous pourrez vous les procurer à moindre coût. Donc je vous rappelle, en fonction du montant du panier, le premier code c'est Beauty15, Beauty15, 15% de réduction dès 50€ d'achat. Et l'autre code qui donne 20% de réduction à partir de 80€ d'achat, c'est le code France20. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également la marque Cupshe de m'avoir contacté pour vous présenter la marque et la découvrir avec vous, de vous faire les essayages. J'espère que nous aurons l'occasion d'avoir d'autres sélection Cupshe, ça permettra aussi de vous faire des petites vidéos mode un petit peu comme je faisais avec les box, et ça vous permet de voir les articles autrement que sur le site. C'est quand même important d'avoir une idée de comment ça tombe porté sur quelqu'un d'assez basique qui n'est pas un mannequin, loin de là. Donc voilà les filles et les garçons, si vous avez apprécié ce type de contenu, si vous avez passé un agréable moment, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, lâchez-vous sur le buzzer. Et puis moi je vous embrasse, j'étais ravie de passer ce petit temps avec vous et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao !